Salut la famille! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Salut la famille, je vous retrouve 2 minutes de manière totalement imprévue juste pour refaire l'intro parce que finalement ma vidéo a complètement changé d'objectif. À la base, je voulais vous faire, donc comme vous l'avez vu dans le titre, une vidéo avant les assises, mais qui n'était pas seulement avant les assises, qui parlait des assises dans sa globalité. Ce qu'il s'est passé, c'est que j'ai commencé à vous parler d'avant, donc de la période de septembre 2019 où j'ai eu l'annonce du procès jusqu'à janvier 2020 où le procès s'est déroulé, le 30 et le 31 janvier. Et je voulais vous parler vraiment de mon ressenti, de qu'est-ce que j'ai fait avant pour réussir à un peu éloigner la pression, qu'est-ce qui s'est passé pour moi tout simplement à cette période-là. Et en fait, ça prend déjà 20 minutes de temps, donc je me suis dit c'est techniquement pas possible de vous faire une vidéo sur l'ensemble du procès si rien que l'avant prend 20 minutes. Vous allez jamais rester genre pendant une heure scotché devant une vidéo. Et je sais que nombreux d'entre vous attendent surtout la vidéo de pendant le procès qui va traiter littéralement de tout ce qui se passe, du théâtre des assises, donc du début du tirage au sort des jurés jusqu'à la fin au rendu du verdict. Cette partie-là va être aussi assez condensée et c'est pour ça que je préfère vous la réserver pour une future vidéo, ainsi que la partie 3 qui concernera l'après les assises, donc qui concernera un peu toutes les questions juridiques, comment ça va se passer pour moi maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire, parce que même si le procès est terminé, moi j'ai encore une partie à finir pour recevoir mes indemnités, quels sont les droits de la défense, donc de mon grand-père, et qu'est-ce qu'il peut faire suite au procès. Enfin voilà, on va parler un peu de tout ça sur la partie 3, mais là on se consacre donc à l'avant-procès. Et je vous laisse avec la vidéo que j'avais déjà filmée, mais voilà, c'était juste pour vous récupérer, pour vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe et pourquoi la vidéo est séparée. Tout simplement, c'est beaucoup trop lourd pour vous si je vous la mets comme ça en une fois, en un bloc. Salut tout le monde. Donc, on va y aller, on va s'y mettre, hein, on va commencer simplement. Et puis, je vous invite à échanger dans les commentaires, à me dire si vous avez besoin de précision, s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris, s'il y a des choses qui pourraient faire l'objet d'une vidéo plus précise. Voilà, n'hésitez pas, l'espace commentaire est vraiment fait pour ça et souvent j'ai des retours, notamment sur Messenger, de gens qui me disent « Oui, mais j'ose pas t'en parler parce que j'ai pas envie non plus de te faire chier avec ça. » Mais non les gars, j'ai ouvert ma chaîne pour ça. Au contraire, parlez-moi, échangez sur ce sujet, dites-moi quand vous avez des questions, osez juste voilà, venir me les poser, je vous jure que je vous mangerai pas, il n'y a pas de problème. Alors, on va déjà commencer par poser une base que j'ai pas mise sur le cahier parce que j'en ai pas vraiment besoin. Déjà, il faut savoir que moi, les assises, ça a été un peu particulier pour moi parce que donc j'attendais depuis plus de 10 ans, j'avais porté plainte il y a 10 ans. L'instruction était finie depuis 5 ans, donc depuis 2015. Et donc j'attendais, j'étais en attente de ces assises. Je savais qu'elles devaient avoir lieu, mais j'ai envie de vous dire, j'étais presque désespérée et je pensais limite pas qu'elles aient lieu un jour, ces fameuses assises. Jusqu'en septembre 2019, je n'avais vraiment aucune nouvelle de personne. Et voilà, j'étais complètement dans l'ignorance totale à ce sujet-là. Ce qui fait que j'ai pas vraiment préparé, même si j'ai envie de vous dire, il n'y a pas à se préparer, et ça on en parlera plus tard, mais j'ai pas vraiment préparé ma défense, ni comment est-ce que j'allais m'exprimer, ni ce que j'allais bien pouvoir évoquer, ni même, j'ai même pas pensé aux questions qu'on allait me poser, voilà, j'étais pas du tout là-dedans, et moi dans ma tête, le procès il aurait pas lieu, mon grand-père il allait mourir avant, et c'était même pas la peine d'en parler. D'ailleurs, à ce sujet, il faut savoir qu'en 2019, je n'avais pas d'avocate. Alors c'est une histoire, mais c'est n'importe quoi. Déjà ce procès il commence par une pépite. Il faut savoir qu'au départ, donc j'avais 17 ans quand j'ai porté plainte, on m'a assigné une avocate commise d'office. Étant donné que le tribunal c'était le tribunal d'Avignon, on m'a assigné à une avocate d'Avignon. Cette avocate là j'ai dû l'avoir en tout et pour tout en 10 ans de procédure, 3 fois, 2-3 fois maximum.
dont une fois pour une audience, je ne sais plus exactement laquelle, mais je sais que c'était pour une audience, c'est bizarre d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on avait été au tribunal d'Avignon? Je sais plus, mais en tout cas, voilà, je l'avais pas vu énormément. Vraiment, je l'ai vu très peu et on n'a pas eu énormément de contacts téléphoniques. Alors ça, pour sa défense, même si elle en a plus besoin, parce que vous verrez que l'histoire est quand même assez bizarre avec cette avocate. Mais pour sa défense, moi je la contactais jamais. Elle ne connaissait même pas mes numéros de téléphone. C'est-à-dire que souvent, elle avait un numéro de téléphone. Pendant 1 an et demi, je la contactais pas. Donc je changeais de numéro de téléphone. Et quand elle voulait me recontacter, ben, elle se rendait compte que mon numéro de téléphone n'était plus le bon et qu'il fallait qu'une fois elle est passée par mon père. Je pense qu'elle a même essayé de contacter ma mère, il me semble. Elle le dira certainement en commentaire si je me trompe, mais je crois qu'elle a essayé de la contacter. Et donc voilà, et mon avocate était toujours larguée sur ma situation, sur comment les choses allaient se passer. Enfin bref, c'était n'importe quoi, je la voyais vraiment jamais et j'avais pas de contact avec elle. Un jour, donc j'ai fait, je vous mettrai la vidéo juste ici petit en barre d'infos, j'ai fait ce fameux documentaire, l'enfance volée, chronique d'un déni, avec la réalisatrice Sylvie Meyer. Et à ce moment-là, et grâce à ça, j'ai eu contact avec d'autres personnes, notamment une association qui s'appelle Innocence en danger. Oui, c'est ça, c'est l'association Innocence en danger. Et donc j'ai eu contact avec eux. Et la présidente de cette association m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe pour toi? Est-ce que tu as une avocate? Est-ce que ton dossier il avance? Ben voilà quoi. Et je leur ai dit, bah non, moi j'ai pas de contact depuis plus de 2 ans. Là, ça faisait au moins 2 ans, j'avais pas appelé mon avocate donc dans le sud, à Avignon. Et je lui dis, j'ai pas du tout de contact, je sais pas comment ça se passe. Elle me pousse un peu à reprendre des liens avec l'avocate, donc j'ai fini par appeler cette avocate-là. Et en fait, en la contactant, je me suis rendu compte qu'elle n'était plus avocate. Donc c'est juste le truc trop bizarre, tu vois. Genre, je l'appelle et je lui dis, voilà, bonjour maître, c'est mademoiselle Anglade et je vous contacte pour mon dossier, l'affaire Elena Anglade. Et là, elle me dit, oui, bonjour, mais je ne suis plus avocate. Et je lui dis, pardon. Elle me dit, oui, j'ai fait une reconversion professionnelle. Et donc, au jour d'aujourd'hui, je suis plus avocate. Et je lui fais, mais mon dossier, il est où? Elle me dit, bah, il doit être toujours à mon cabinet parce que j'ai d'autres collègues. Donc, j'ai dispersé mes dossiers de par mes collègues. Mais elle ne savait pas me dire à quel collègue elle avait filé mon dossier. Donc, vous voyez déjà le sérieux du truc, quoi. Elle m'avait jamais contactée pour me dire qu'elle était plus avocate. Enfin, bref, un peu n'importe quoi, cette histoire. Elle m'apprend cette nouvelle. Moi, je recontacte la dame d'Innocence en danger. Et je lui dis, bah voilà, j'en suis là, j'ai pas d'avocat, je sais pas quoi faire. Elle me dit, bah écoutez, nous, l'association Innocence en danger a des avocats. Je peux essayer de voir avec l'un d'entre eux, l'une d'entre elles, si ils veulent bien regarder au moins votre dossier et voir où ça en est, parce que c'est quand même étrange. Là, ça faisait à peu près 4 ans que l'affaire était finie, donc l'instruction était finie. Donc, qui veut dire 4 ans d'instruction finie veut dire près de 9 ans de plainte déposée pour moi en tout et pour tout. Donc, c'est juste énorme. On était vraiment, oui, on était début 2019 ou fin 2018. Et toujours rien n'était fait. Et donc, elle m'envoie vers une de ses avocates que je rencontre, qui devient par la suite, voilà, mon avocate de cœur. C'est, vous verrez, la suite de l'histoire vous montrera que cette avocate-là, mais c'est de l'or, c'est de l'or, vraiment. Si jamais vous avez besoin d'une avocate, et plus particulièrement dans des affaires, voilà, de mœurs, dans des affaires d'agression, dans ce genre d'affaires-là, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Pareil, je vous donnerai ses contacts. Là, pour l'instant, elle est en arrêt maternité, mais elle reprend, il me semble, fin d'année 2020, donc genre septembre 2020, enfin la rentrée scolaire 2020, je crois, par là. Et donc, voilà, franchement, avec grand plaisir, je vous donne ses contacts. Pas de soucis, n'hésitez pas à me demander. C'est une avocate incroyable, vous le verrez pour moi. Donc là, notre premier contact arrive. Elle me dit, c'est quoi cette histoire? Elle fait rapatrier le dossier à Paris. Elle me dit, mais honnêtement, même moi, je lui dis ça, j'ai pas l'impression que ce dossier va être jugé et qu'il va y avoir une avancée, enfin qu'il va y avoir un jugement, et notamment aux assises. Là, on le saurait, quoi. S'il y aurait quelque chose bientôt, on sera informé. Donc voilà, l'année se passe en mode, bon bah, il n'y aura certainement pas de procès, mais au moins j'ai une avocate, mon dossier est à Paris, c'est là où j'étais à ce moment-là. Donc c'était important. Finalement, on m'appelle en septembre 2019, en me disant, donc mon avocate, hein, cette avocate-là de Paris, m'appelle en me disant, incroyable, nouvelle dingue, ça vient de tomber, tu passes aux assises. Et là, j'étais là, mais j'étais vraiment, mais au mois de septembre, j'étais pas prête du tout à avoir cette information.
Donc je fais, pardon, elle me fait, oui, tu passes aux assises le 30 et 31 janvier 2020. Donc une date tombe. Et là, c'est waouh, mais j'encaissais pas du tout le choc, mais pas du tout, j'étais pas prête du tout, les gars. Et j'avais peur, bien évidemment, la grosse flip. Et là, il s'est passé plusieurs semaines. Déjà, j'étais chez mon ex, donc dans une autre relation à Paris. Ça se passait pas très très bien. Enfin, c'était pas la mort non plus, mais c'était pas la grosse joie et la grosse teuf non plus. Donc c'était un petit peu compliqué. Et sur ce, j'ai cette nouvelle-là qui me tombe sur la gueule. Donc forcément, moi, j'ai fait beaucoup de cauchemars. J'ai énormément angoissé. Enfin, au quotidien, j'arrêtais pas d'y penser, de me bouffer l'esprit. Je me disais, mais comment ça va se passer? Mais comment est-ce que ce procès va se faire? Enfin, j'étais vraiment très très mal pendant, je dirais, bien 2 mois, jusqu'au mois de décembre. Oui, c'est ça, pendant bien 2 mois, mais vraiment à angoisser à fond, comme je vous dis, à faire beaucoup de cauchemars. À ce moment-là, j'ai fait d'ailleurs des cauchemars sur mon grand-père, donc c'était vraiment compliqué à gérer, même pour moi, émotionnellement, c'était vraiment compliqué. Et ça allait vraiment pas très bien, jusqu'au mois de décembre. Et au mois de décembre, en fait, j'avais tellement cauchemardé, j'avais tellement angoissé, que mon cerveau s'est dit, de toute façon, là, tu peux pas faire plus. Tu peux pas être plus préparé. Ça pourra pas, enfin, t'angoisser plus, ça va pas te servir à grand-chose. Donc là, t'arrêtes quoi. C'est comme si j'avais disjoncté, vraiment. Il y a eu une disjonction là-dedans. Et j'ai arrêté d'angoisser, j'ai arrêté de stresser. Et je me suis dit, c'est bon, je suis prête. Donc à partir de mi-décembre, quand on me demandait bah, pour le procès, machin, comment ça va se passer et tout, j'étais prête. En fait, j'attendais, j'étais limite au mois de janvier, j'étais limite pressée que ça arrive, pour que voilà, ce soit passé, ce soit derrière moi. Et c'est bon, là, stop, on arrête là. Donc j'ai pas vraiment angoissé sur toutes les questions qui étaient des questions d'actualité finalement, comme le consentement, tout ça. Et vous allez voir que bah, j'aurais peut-être mieux fait d'angoisser un peu plus, bien que enfin finalement non, finalement j'aurais pas mieux fait d'angoisser quoi que ce soit, parce que bon, le verdict me convient très bien. Mais j'ai pas plus angoissé sur les questions de oui, consentement, tout ça, parce que je me suis dit, de toute façon, c'est mon grand-père. Donc même si consentement pouvait y avoir de par l'âge, même si je suis absolument pas d'accord avec ça, moi, pour moi, une gamine de 11 ans, elle est jamais consentante à un acte sexuel. Si elle est consentante ou si elle paraît consentante, c'est parce que celui qui l'agresse le veut bien et s'est bien débrouillé pour faire en sorte que elle voit ça comme un jeu ou qu'elle voit pas du tout ça à mal. Mais ça, c'est pas compliqué à faire croire à un enfant. Donc il faut s'arrêter, hein. Il y a aucune gamine de 11 ans et demi qui est consentante à un acte sexuel, c'est pas vrai. Donc revenons-en à nos moutons. Là, j'étais arrêtée au mois de décembre. À partir du mois de janvier, il va se passer plusieurs choses qui, mis consécutivement, vont faire que ce mois de janvier, émotionnellement parlant, et je vous parle pas du 30 et du 31, hein, donc je vous parle pas des 2 jours du procès, je vous parle de vraiment tout le mois de janvier jusqu'à en arriver au 30 et au 31, était au niveau émotionnel beaucoup, beaucoup trop lourd, trop compliqué à gérer. Alors j'avais plus du tout l'angoisse du procès, mais il s'est greffé plein de petits trucs dans mon quotidien qui ont fait que certaines choses deviennent un petit peu compliquées. Je m'explique. J'étais à Paris, j'étais logée par une personne avec qui ça se passait bien, mais qui était pas bien dans sa vie et qui faisait peser sur moi une pression, très clairement, on va pas se mentir. Moi, ça me mettait pas super bien d'être chez elle et d'avoir tout le temps ses problèmes à gérer et de finalement oublier les miens pour être derrière elle à 200%. Au bout d'un moment, c'était chiant. Donc j'avais prévu, à partir du 15 janvier maximum, de me barrer de chez elle pour me prendre 15 jours, moi, toute seule ou avec des potes, mais des potes qui vont bien, c'est méchant de dire ça, mais qui vont bien dans leur vie et qui ne me mettaient pas de pression supplémentaire, qui étaient à mesure de comprendre que bah, mon procès, il arrivait, que j'étais pas bien moi non plus et que j'avais pas envie de gérer les problèmes des autres. Donc voilà, très clairement, j'étais dans cette optique-là et j'en avais marre. Donc à partir du 15 janvier, je suis partie déjà en premier à Bayonne chez un pote pour me ressourcer, mais là vraiment sur 3 jours, pour le voir, pour profiter à fond, pour les voir, parce que j'ai vu plusieurs potes et je me suis mise dans une super bonne ambiance. C'était vraiment les personnes que je voulais voir à 10 000% avant le procès. Je le disais, je voulais, je... Enfin, en tout cas, je ne savais pas si ça serait réalisable. Mais vraiment, voir cette personne-là en particulier, mais vous savez tout ce qui c'est sur ma chaîne de toute façon, donc j'ai même pas besoin de le cacher, mais voilà, voir cette personne-là en particulier me tenait à cœur à 10 000%,
Et toutes les personnes qui étaient autour, c'était très important pour moi de les voir. C'est des gens en bonne humeur, des gens réconfort. À Bagnols, il y a Mourafi, et c'est d'ailleurs chez Mourafi que j'étais pendant 3 jours. Et ça m'a fait énormément de bien d'être là-bas et de pouvoir partager avec lui, et voilà, et de vivre cette expérience. Même si, petit bémol, vu que j'arrivais vers le procès, j'étais quand même hyper angoissée. Faut savoir que quand j'angoisse, enfin quand je suis dans des périodes comme ça qui sont lourdes émotionnellement, je fume beaucoup, je suis une consommatrice de pétards invétérée et je fume dans des situations pas toujours très intéressantes, enfin intelligentes. Des fois, je devrais voilà m'abstenir, mais je le fais pas et donc ça peut créer des problèmes. Et là, ça avait créé quelques soucis, enfin rien de grave. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas fait attention. En fait, quand je suis dans une période où moi ça va pas forcément, où j'essaye à tout prix de m'éloigner de mon quotidien, mais je vais pas faire attention derrière que ça peut avoir des impacts sur la vie d'autres personnes. Et pour ça, j'en suis désolée parce que bah oui, j'ai eu une petite dispute derrière du tout concernant le cannabis et c'était pas très malin, mais vous verrez que j'étais hyper quand même tendue à cette période-là. Donc c'est pas la seule personne avec qui j'ai eu un petit accrochage à cette période. J'ai eu un accrochage avec mon beau-père pendant les vacances au mois de décembre là. Bah, le 30 décembre, j'avais eu un gros accrochage aussi avec lui. Enfin, j'ai eu des périodes où j'étais quand même violente dans mes propos et dans mes réactions et où ça allait pas avant le procès et où sur ça effectivement fallait pas trop me titiller. Mais voilà, j'ai passé mes 3 jours là-bas à Bayonne et j'ai kiffé ma race, mais j'étais trop trop méga refaite. Et après ces 3 jours-là, je suis partie à Bordeaux. Alors là, on va pas s'étendre parce que c'est pas le sujet, mais c'était pas du tout intelligent de ma part de me barrer à Bordeaux pour la raison pour laquelle j'y avais été, qui n'était vraiment, mais vraiment pas intelligente à 2 semaines du procès. J'aurais pas dû faire ça. D'ailleurs, ça s'est passé qu'au final, bah, j'ai pas écourté mon voyage à Bordeaux, mais j'ai été chez une autre amie qui, elle, est psychiatre et ça m'a fait énormément bien d'être chez elle et de la voir. Et en plus, après ça, elle m'a fait intervenir la veille de mon arrivée à Avignon, donc 2 jours avant le procès à Avignon. Elle m'a fait intervenir devant une équipe de médecins. Il me semble qu'il y avait, oui, il y avait beaucoup de généralistes, de docteurs généralistes. Et je suis intervenue à Bordeaux en qualité de victime, voilà, pour expliquer un peu, oui, pour expliquer et pour argumenter un peu la phase et le côté plus médical qu'avait expliqué Samantha avant. Donc on s'est un petit peu fait une réponse en fait, on s'est répondu et c'était très intéressant. Je vous mets la vidéo juste ici parce que j'en ai fait une vidéo de Bordeaux et de cette intervention. Donc voilà, c'était très très chouette. Sur ce, bah donc cette partie à Bordeaux, pareil, ça a été un peu mitigé. J'étais très contente d'être à Bordeaux, de ne pas être à Paris et de voir d'autres choses. Et j'ai beaucoup, beaucoup visité Bordeaux. Et d'ailleurs, ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'avais des a priori sur Bordeaux. J'aimais pas cette ville. Je sais pas pourquoi. J'ai jamais trop aimé cette ville. Et ça m'a réconcilié cette période à Bordeaux. Ça m'a réconcilié avec cette ville. J'ai beaucoup aimé. Et ouais, j'ai tripé. J'ai pris mes trams toute seule, machin. J'ai fait mes petits bises et j'étais bien contente de finalement visiter un bout à l'autre de Bordeaux. C'était vraiment cool. Et voilà, et donc bonne expérience, mais toujours pareil dans cet état d'esprit d'avant-procès. Donc pas au top non plus, quoi, tu vois, beaucoup de pression et tout. On en arrive au fameux bah, départ de Bordeaux. Donc là, on est le 29 quand je pars de Bordeaux. J'ai toute une journée de train, parce que je crois que j'ai pris un intercité ou une connerie comme ça, pour aller jusqu'à Avignon. Et j'arrive à Avignon, et là, il va se passer des trucs de ouf, parce que bah, j'ai demandé à beaucoup de monde de venir à ce procès et il y a beaucoup de gens qui vont venir me soutenir, à commencer par mon papa. Et mon papa, ça faisait peut-être 3 ans, je l'avais pas vu, un truc comme ça. La dernière fois que je l'avais vu, c'était chez les Roses, les gens qui m'ont hébergé sur Paris. Et donc pour le coup, bah ça me fait hyper plaisir de genre le voir. Il vient m'accueillir à la gare. Moi, je suis passée par Nîmes en plus, j'ai fait une transition par Nîmes. Donc Nîmes, c'est l'endroit où il y a ma fille qui est, enfin, ma fille a été adoptée et ma fille vit là-bas. Donc forcément, grosse pression, je suis sortie du train, je me suis mise à chialer à Nîmes, enfin n'importe quoi. Donc quand j'arrive à Avignon, je suis vraiment bien contente de pouvoir m'écrouler dans les bras de mon père et en même temps, je vais bien. Enfin, c'est-à-dire que vraiment, je me rappelle, tout le monde me dit, mais putain, t'as l'air de péter la forme, quoi. Je suis censée être pas bien, je suis censée être hyper stressée. Et en fait, je n'attends qu'un truc, c'est qu'on y soit. Donc, j'ai pas du tout le stress. Je me rappelle que la veille, j'étais pas stressée du tout. D'ailleurs, j'ai proposé à tous les gens qui étaient déjà sur place de venir boire un coup avec nous. Voilà. Donc, j'ai appelé ma mère et mon beau-père.
J'ai appelé, il y avait mon père qui était avec moi et il y avait surtout Anne et Augustin Rose qui donc Anne qui est venue de La Réunion pour mon procès et Augustin qui est venu de Marseille, je crois, donc Marseille Avignon, c'est pas très loin, mais bref, ils sont venus me soutenir et ça m'a énormément touchée. Et donc on s'est tous réunis, ma mère, mon beau-père, mon père, Anne, Augustin et moi, le soir, et on a bu, enfin on a mangé au resto avec une certaine partie, une certaine partie. Bref, une partie des personnes. Et on a bu un coup tous ensemble ensuite. Et c'était vraiment méga chouette. J'ai adoré l'ambiance. Enfin, vraiment, c'était trop chouette. Bah, déjà, de faire cette rencontre entre ma mère et Anne, que j'attendais depuis super longtemps. Que mon père et ma mère se revoient après genre une quinzaine d'années sans s'être vus. C'était juste un moment pour moi. Vous imaginez pas quoi. Voir ma mère là, mon père un peu plus loin là-bas. Et genre moi qui suis là en face. Et je suis là comme ça. Enfin, c'est... C'est un moment mais à marquer. Je vous mets une petite photo genre juste ici parce que c'est vraiment pour moi le moment du procès ever quoi. Et voilà, et ouais, et j'ai adoré ce moment et ensuite moi j'ai dormi à l'hôtel avec mon père et ma mère et mon beau-père avaient un Airbnb et Anne et Augustin avaient un Airbnb aussi et on s'est tous retrouvés le lendemain matin donc pour vraiment rentrer dans le détail du procès.